Pour Ribeauvillé, comme pour l'ensemble des villes et villages de l'Hexagone, 2020 s'est annoncé comme une année électorale. L'heure était au renouvellement du conseil municipal. À Ribeauvillé, il n'y avait pas trop de suspense. L'équipe sortante était seule en lice, sans liste d'opposition. Bien sûr, cette équipe sortante était modifiée, changée. De nouvelles têtes remplaçaient les sortants. Il faut renouveler les propositions tout en poursuivant et pérennisant les actions portées par l'équipe sortante. À Ribeauvillé, pas de suspense donc, mais une réélection de la liste menée par Jean-Louis Christ. Sans surprise, ou presque. C'était sans calculer avec l'apparition d'un virus, un certain Covid-19. Ce virus a déjà pesé sur le taux de participation de ce premier tour. Et puis, plus rien. Même si à Ribeauvillé, les résultats de cette élection étaient clairs et définitifs, tout s'est arrêté net avec le premier confinement. En ce début du mois d'avril, Ribeauvillé est une ville morte. Nous avons survolé la rue principale avec un drone. Ce sont là des images originales. Pas un chat dans les rues de la ville. Si, quelques habitants avec un masque. Ah, ces masques. Quelle histoire que celle des masques en début de pandémie. Très rapidement, la municipalité a pris des mesures. Ribeauvillé a certainement été une des premières communes d'Alsace à fabriquer des masques et à les distribuer gratuitement aux habitants. La distribution des masques semblait être la seule animation dans une ville touristique réellement à l'arrêt, avec les restaurants et autres salons de thé fermés. Seule la file d'attente, avec une distanciation d'un mètre, semblait animer la place publique. L'équipe municipale distribuait des masques lavables tout en donnant un minimum d'explications d'utilisation et d'emploi de ces masques. Il faut dire qu'on était au tout début de la pandémie. Qui aurait pu prédire qu'un an après, le port du masque s'est imposé à tout le monde et en tout lieu? Revenons un peu en arrière, en février, une période encore sans Covid, sans masque. Ribeauvillé a connu un grand retour dans les années 70 avec une animation autour d'un groupe de rock mythique, Freddie Mercury et The Queen. Pour cet épisode Revival, un programme complet a été proposé aux spectateurs. La projection du film Bohemian Rhapsody, au cinéma Rex et un méga concert du groupe Cover Queen dans la salle du parc. Tonalité musicale, habillage de lumière et mise en scène, un public de rockers, tout correspondait vraiment au monde créé par le groupe désigné meilleur groupe de rock de tous les temps. Fin février, peu de temps avant la survenue de la pandémie, Ribeauvillé inaugurait son nouveau périscolaire baptisé Ribeauvillou. Les enfants ont découvert ce nouvel équipement à la rentrée des vacances d'hiver. Ce bâtiment, construit pour eux, les accueillera dorénavant dans un environnement confortable et adapté. Ce périscolaire très attendu est à la mesure des souhaits longtemps exprimés. Il dispose de belles salles modulables, dédiées aux petits et aux grands, organisées autour d'un hall patio d'entrée, afin d'optimiser l'espace disponible. Dans son allocution, Umberto Stamile, président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé, a rappelé la genèse et les péripéties liées à ce chantier qui aura duré 18 mois.
Jean-Louis Christ, vice-président de la CCPR et maire de Ribeauvillé, a pour sa part salué la démarche exemplaire de l'action intercommunale, rappelant que faire un pari sur les enfants, c'est faire un pari pour l'avenir. Pour terminer cette période sans masque, ou alors avec des masques de circonstance, parlons du carnaval des enfants de Ribeauvillé. Même le soleil s'y est mis un peu, et cette cavalcade de Ribeauvillé a attiré la grande foule. Dès 15h, c'est un cortège joyeux, musical et bruyant qui s'est élancé de la place de la République, à pied pour les grands, et sur un char de Fiefertoy pour les plus petits, afin de rejoindre la place de la mairie. Dans un grand capharnaüm tonitruant, les carnavaliers ont envahi l'espace avant de grimper, encadrés par les bénévoles des associations, sur les deux chars du Fiefertoy qui les attendaient. On ne peut pas terminer la chronique de ce début d'année sans évoquer les liens qui unissent la ville de Ribeauvillé au 152e régiment d'infanterie. À la fin d'un exercice nocturne, avec une marge de 60 km, pactage sur le dos, les hommes de la 2e compagnie de combat se sont retrouvés devant la mairie de Ribeauvillé. Nous accueillons avec grand plaisir. Un véhicule blindé a été baptisé Oberwald et un engin un peu plus léger a été baptisé Ribeauvillé. Voilà qui resserre encore davantage les liens de parrainage et de jumelage entre la ville et les Diables Rouges. Au mois de mai, avec quelques mois de retard causé par la crise sanitaire, l'installation du conseil municipal a enfin pu se tenir. Afin de respecter les gestes barrières et la distanciation nécessaire, cette installation du nouveau conseil municipal s'est faite dans la salle du théâtre. Sans surprise, Jean-Louis Christ a été réélu et s'est engagé pour un 4e mandat. La municipalité a décidé de resserrer l'équipe des adjoints qui seront dorénavant au nombre de 5 avec Morissette Stocker en tant que première adjointe. Une équipe de techniciens audiovisuels a équipé la salle de théâtre de caméras et de micros afin de retransmettre cette installation du conseil municipal sur un écran extérieur et sur Internet. Plus d'une centaine de personnes s'étaient connectées sur le site de la ville de Ribeauvillé et a pu suivre en direct la mise en place du maire, des adjoints et des conseillers délégués. La période de confinement a mis à l'arrêt toutes les structures culturelles de Ribeauvillé. Au complexe Le Parc, on en a profité pour faire des travaux d'aménagement et d'amélioration. L'ancien périscolaire est transformé en une petite salle de spectacle avec une jauge d'une centaine de spectateurs. L'entrée de l'espace Le Parc, communément appelé la Rotonde, a été décorée d'une très belle fresque initiée par Antoine Helbert et réalisée sous son contrôle. Le comité des fêtes de Ribeauvillé est un acteur essentiel de l'animation de la région. Lors de l'Assemblée Générale 2020, Anne-Sophie Zoucolin, adjoint au maire, a remplacé Georges Witserzak, président de l'association pendant 19 années. Après les points statutaires, l'Assemblée a élu 6 nouveaux membres du comité. Ces derniers ont rejoint 3 anciens, ainsi que les 8 membres désignés par le conseil municipal. Pour le comité des fêtes de Ribeauvillé, la saison 2020 a été particulière. C'est la première sans pfiff, ni d'autres manifestations. Et pourtant, il faut maintenir la motivation et la cohésion des participants,
des acteurs essentiels de la vie culturelle de Ribeauvillé. Autant de tâches et d'engagements pour le nouveau bureau du comité des fêtes. Cette année de crise sanitaire et forcément aussi de crise économique pèse forcément sur la vie des collectivités. Et pourtant, la ville de Ribeauvillé a continué à mettre en œuvre de nombreux chantiers prévus en 2020. C'est le cas de la passerelle posée près du centre équestre. Cette nouvelle passerelle, posée en remplacement de l'ancienne en mauvais état, parachève la création du parcours sportif et de santé situé le long du Strengbach, à l'est de la ville. Mis en service à l'automne 2019, il est contigu au centre équestre. La passerelle permet d'accéder en toute sécurité à l'autre rive du Strengbach et de prolonger l'activité sportive par de la marche ou de la course à pied. Le renouvellement d'une grande partie de l'éclairage public a été poursuivi tout au long de l'année 2020. Il s'agit de remplacer les luminaires existants par de nouveaux équipements avec des sources LED apportant un éclairage plus homogène et plus sécurisant et surtout une économie d'énergie estimée à 70%. Ce nouveau mobilier urbain s'inscrit totalement dans une démarche de développement durable. Un chantier très spectaculaire a permis de réaliser de très belles images au crépuscule et même de nuit. Du mardi 21 au vendredi 24 juillet inclus, de 20h à 6h, le conseil départemental du Haut-Rhin avait programmé la réfection de la couche de roulement des deux giratoires situés à l'entrée de Ribeauvillé. Ces travaux se sont inscrits dans le cadre de la politique d'entretien des routes menée par le conseil départemental au bénéfice de la sécurité des usagers. Le premier giratoire correspond à celui situé au croisement entre l'avenue du Général de Gaulle et la route de Bergaï. Il a été fermé à la circulation les nuits des 21 et 23 juillet entre 20h et 6h du matin. Le deuxième giratoire, c'est-à-dire celui situé au croisement entre la route de Guémar et la route de Colmar, a été fermé à la circulation les nuits du 22 et du 24 juillet. Le conseil départemental rappelle que cet axe routier est utilisé en moyenne par 7000 automobilistes par jour. Dans cette année un peu chamboulée par la pandémie virale, Ribeauvillé a tenu à maintenir le passage du jury national des villes et villages fleuris afin d'encourager le fleurissement et ainsi apporter gaieté et couleur à la ville. Suite à sa tournée, le jury national a décerné la distinction 4 fleurs à la commune pour 3 années supplémentaires. Même si les plantations semblent techniquement très abouties, avec la pose de tapis complet, ces aménagements paysagers se font dans le respect de l'environnement historique, tout en respectant une démarche écologique. Les tapis complets de fleurs arrivent tels quels du producteur et sont directement posés sur les parterres. Ces tapis sont très économes en terreau et en entretien. Toujours dans le cadre du fleurissement de Ribeauvillé, le jury communal a arpenté toutes les rues et tous les quartiers de la ville, le plus souvent à pied ou en voiture hippomobile pour les quartiers les plus éloignés. Il n'est jamais très facile de juger, de noter, de trier ou de classer le fleurissement des particuliers. Disons que dans cette année bizarre qu'aura été 2020, l'effort des habitants de Ribeauvillé est à souligner. Il contribue évidemment au maintien de la quatrième fleur. L'inauguration du premier composteur partagé de la ville de Ribeauvillé s'inscrit, elle aussi, dans cette démarche de développement durable.
Né d'une initiative citoyenne des habitants du quartier du Temple à Ribeauvillet, le projet de composteur partagé s'est concrétisé avec l'inauguration du vendredi 3 juillet. L'animatrice du projet se dit heureuse d'avoir trouvé des personnes à l'écoute et des élus ouverts aux initiatives des citoyens. Le travail conjoint des parties engagées, communes, communautés de communes du pays de Ribeauvillet et citoyens, a permis d'installer le dispositif dans le haut de la cité. Cet équipement, qui est destiné aux habitants du quartier du Temple, servira à une vingtaine de foyers. Les participants ont suivi ces explications avec attention et se sont vus remettre une poubelle à compost qui sera utile au quotidien. Nous l'avons vu, la pandémie de Covid-19 a marqué la saison touristique de la région. La ville de Ribeauvillet ne s'en est pas trop mal sortie entre deux confinements. L'Office du tourisme a continué d'organiser des visites de la ville. Rendez-vous est donné devant les bureaux de l'Office du tourisme. À chaque visite, une bonne trentaine de participants suivaient la guide à travers places et ruelles de Ribeauvillet. Avec masque, bien sûr. La guide du jour a fait découvrir des choses inédites de Ribeauvillet. Même la caméraman, qui croyait bien connaître la ville, a appris des originalités et des secrets de la cité des ménétriers. Pour le tourisme, il faut également noter la création d'un nouveau parking pour camping-car construit par la cave coopérative de Ribeauvillet. Installé route de Colmar, non loin de la cave, ce nouvel équipement dispose de 27 emplacements pavés avec points d'eau et d'électricité, une zone de vidage, une piste de pétanque, un portique de jeu pour les enfants et, en exclusivité, une vue imprenable sur les châteaux. Il permet ainsi aux camping-caristes de s'établir tout près du centre historique de la ville dans des conditions optimales. Pour la culture, l'année 2020 s'est avérée difficile et délicate avec la quasi-totalité des lieux culturels fermés ou entre-ouverts. Les membres du conseil municipal, dont les membres nouvellement élus, ont pu découvrir le Conservatoire des arts et techniques graphiques lors d'une visite privée. C'était, pour chacun, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les ateliers graphiques installés dans les locaux de l'ancien abattoir municipal. Lors de cet après-midi, deux groupes séparés ont pu visiter, à tour de rôle, l'atelier de lithographie, cher à Tom Borocco, puis l'atelier de typographie, dirigé par Benoît Custer. Ces arts graphiques, inventés pour la plupart au XVe siècle, sont toujours aussi fascinants, surtout s'ils sont présentés et appliqués par des maîtres du métier. Ribeauvillet est honoré de pouvoir préserver et promouvoir ses métiers graphiques. Art tout à fait différent, voire décalé par rapport à ses métiers historiques, les réalisations du Ribolab sont par contre totalement actuelles, voire futuristes pour certains. Ici, chacun peut se familiariser avec un ordinateur, un drone ou encore une imprimante 3D. Les sessions sont ouvertes à tous, grands, petits, débutants, experts. Un nouveau Fab Manager, entouré d'une dizaine de bénévoles, sont ou seront à vos côtés. Bien sûr,
le virus a également perturbé les activités du Ribolab qui a dû refermer pour tout le mois de décembre. Pour les activités de plein air, un peu moins de soucis. La section football de l'association sportive de Ribeauvillé a fêté son 90e anniversaire début août. Plusieurs matchs se sont joués sur le week-end, dont un opposant SR Colmar à SR Mulhouse. Pendant la mi-temps, médailles et distinctions ont été remises aux joueurs, cadres et dirigeants en reconnaissant de leurs efforts et de leurs engagements pendant des années au sein de l'AS Ribeauvillé. À la vue des distinctions et breloques remises, on comprend que l'AS Ribeauvillé est une équipe engagée dans la formation des jeunes sportifs depuis presque un siècle. Autre activité extérieure qui a semblé bien tourner en 2020, le centre équestre de Ribeauvillé. Il est vrai que partout en France, le sport équestre a été en progression en 2020 et plus particulièrement ici à Ribeauvillé. PG Team Équitation a mis en place plusieurs compétitions ou réunions qui ont toutes connu un véritable succès. Concours de saut d'obstacles, concours de poney, concours élevage AM Pro ou encore CSO des vendanges, autant d'épreuves dont il fallait s'en sortir avec le moins de fautes et le moins de pénalités possible. Plus on va vite, plus il faut être précis. Voilà ce qu'a dit le gagnant du concours pro. Parlons pfiff, ou plutôt parlons d'un pfiff qui n'a pas eu lieu en cette drôle d'année 2020. Après l'annulation du traditionnel cortège historique pour cause de pandémie virale, l'édition 2020 de la fête des Ménétriers a revêtu un caractère particulier. Après un réveil dominical par la Vaugésia, la journée a tout de même attiré quelques centaines de participants. Tout au long de la rue principale, une rétrospective en images à l'aide de très grandes photos a permis de retracer l'histoire du Pfiffertor. Ces grandes toiles imprimées, apposées sur les façades des maisons, ont évoqué les grands moments d'une fête qui se tient depuis plus de 600 ans et qui n'a été que très rarement annulée. À 15h, la sonnerie des cloches et le lancement de fumigène depuis la tour des bouchers ont réveillé l'esprit du Pfiffertor. Antoine Elbert, directeur artistique du PFIF, s'est associé au Conservatoire des arts et techniques graphiques pour créer une lithographie unique. Tirée à très peu d'exemplaires, cette litho deviendra collector. Une exposition rétrospective sur le thème du PFIF était également ouverte au public du 31 août au 13 septembre. Organisée conjointement par le comité des fêtes et le cercle de recherche historique de Ribeauvillé, on pouvait y admirer maquettes, affiches, photos ou encore vidéos des cortèges historiques passés. La tradition veut que le dimanche suivant le Pfiffertor, la procession à Notre-Dame de Dusenbach clôture les festivités. Pour cette année si particulière, malgré la Covid et malgré l'absence de la grande parade, les Ménétriers ont, comme à l'habitude depuis plus de 65 ans, rendu hommage à leur sainte patronne. Clin d'œil de la météo, il faisait beau ce dimanche matin lorsque les pèlerins se sont retrouvés place de la Cîne à Ribeauvillé. C'est de cette place qu'a démarré le pèlerinage. Les musiciens de l'harmonie Vaugésia ouvraient le cortège et assuraient l'accompagnement musical. Ils étaient suivis par la statue de la Vierge, le roi des Ménétriers et sa cour, Jean-Louis Christ, maire de la cité, le père Joseph, recteur de Dusenbach,
les représentants du conseil municipal, les pèlerins et les membres des associations qui animent le Pfifferteuil. Les nombreux participants ont ainsi cheminé jusqu'au monastère de Düsenbach où a été célébrée la grand-messe. Une manifestation maintenue en 2020, les puces du patrimoine. Une quarantaine d'antiquaires professionnels, certains spécialisés dans un domaine très précis, ont invité chineurs et touristes à déambuler au gré des stands à travers ces objets authentiques qui font la richesse de notre passé. À cela, il fallait ajouter une vingtaine de libraires spécialisés dans les livres anciens de valeur et les livres d'occasion. On y a trouvé aussi de la brocante de qualité, vaisselle, vieux outils, linge de maison, peinture, cadres anciens, bijoux, objets de collection et des livres pour bibliophiles et passionnés de sujets précis, des livres d'occasion à très bon prix, des bandes dessinées, des gravures, des livres en allemand, des cartes postales, etc. Un musée à ciel ouvert d'objets authentiques de qualité qui s'adresse à tous les publics. Cette manifestation, unique en Alsace, a permis de découvrir ou redécouvrir la ville de Ribeauvillé. Quelques images de la maternelle de Ribeauvillé, dont les sections ont participé à leur manière au Téléthon 2020. Depuis tout temps, Ribeauvillé est un hotspot du Téléthon, avec la participation des élèves de la primaire, des collèges et du lycée. Grâce aux nombreuses initiatives et à la mobilisation de tous, Ribeauvillé a pu réunir 9 144 € en faveur de cette cause, un record jamais atteint auparavant. Terminons cette chronique 2020 avec la période de Noël. Le marché de Noël aura-t-il lieu ? La question a taraudé tout le monde. Élus, organisateurs, associations, services administratifs, bref, tous les décisionnaires regardaient ce qu'allaient faire Colmar, Strasbourg ou encore Haguenau. Fin octobre, la décision est claire et nette. Le marché de Noël n'aura pas lieu. Les quelques 160 000 visiteurs attendus seront au moins aussi déçus et frustrés que les organisateurs. Et pourtant, ce marché de Noël original réservait bien des surprises. Antoine Helbert, le directeur artistique de la manifestation, comme du Pfifferteuil d'ailleurs, avait imaginé une toute nouvelle mise en scène. La ville a consacré près de 100 000 € à l'acquisition de bois, de peinture et de divers matériaux servant à la fabrication de nouveaux stands ou à l'amélioration de ceux tenus par les associations. Leurs bénévoles se sont particulièrement impliqués dans leur création, oubliant un peu leur frustration de n'avoir pu construire leur char si élaboré du Pfifferteuil. L'esprit de Noël doit perdurer, s'est-on dit à Ribeauvillé. Des centaines de bénévoles, secondés par les élus et les équipes techniques de la ville, se sont lancés dans la confection de ces nouveaux décors. Partout, c'est-à-dire dans les hangars du Pfiff, dans les ateliers municipaux, chez les entreprises partenaires, à l'ancienne école de la Streng, bref, partout, on sciait, rabotait, clouait, soudait, peignait, repeignait, vernissait, revernissait. Cette frénésie de Noël s'est répandue dans toute la ville. On en a parlé dans toutes les chaumières. Même la chaîne TF1 s'est déplacée pour un reportage au Trésor national. Noël, c'est également la décoration de la ville. Une équipe d'habitués, secondée par quelques nouveaux bénévoles,
à fabriquer lutins, étoiles, sapins, boules et autres bretzels recouverts de flocons. La mise en place est toujours spectaculaire. Bien sûr, il faut savoir où l'on place telle ou telle œuvre, telle ou telle décoration. Le résultat est inouï. Covid ou pas, Ribeauvillet a été décoré pour les fêtes de fin d'année. La ville a également mis à disposition des particuliers tout un lot de branches de sapin pour décorer leurs fenêtres, leurs maisons ou leurs portes d'entrée. Il fallait bien choisir sa branche. Cela ne semblait pas évident à première vue. Et pourtant, chacun a trouvé son bonheur. Si c'est une grande branche, on la coupera. Si c'est un petit rameau, on l'arrangera. Dans les derniers jours de l'année, la ville a concrétisé l'achat de la Villa Carola. Inoccupée depuis longtemps, l'ancienne maison de maître du parc thermal change de vocation. Une fois réhabilitée, la bâtisse sera transformée en centre de congrès et accueillera conférences et fêtes de famille. Une convention de collaboration a été signée par le maire et Valérie Sigler, directrice générale de Carola. Finalement, on s'est dit que tous les nouveaux chalets et maisonnettes de Noël n'ont pas été réalisés pour ne pas être montrés au public. La décision d'en exposer au moins deux ou trois au centre-ville donnera finalement un petit air de Noël à la ville. Cet équipement a permis d'accueillir les seniors de la ville afin de leur remettre les étrennes sous forme d'un colis gourmand. Restaurateurs de Ribeauvillet souhaitent remercier les habitants de la commune pour leur esprit de solidarité qui s'est largement exprimé en cette période de crise. En effet, les habitants ont adhéré aux solutions proposées par nos restaurateurs. Plats à emporter, livraison à domicile, leur permettant de poursuivre une activité malgré la fermeture de leurs établissements et de garder le contact avec eux. Afin de témoigner de leur gratitude aux Ribeauvillois, les restaurateurs de la ville ont distribué gratuitement une soupe conviviale le samedi 28 novembre sur la place du marché. C'est sur ces images de neige, tombées début janvier, que se termine cette chronique